suis ravi d'ouvrir mercredi, donc 15 juin, avec vous le salon et VivaTech, l'événement. On ne parle pas salon, mais l'événement. Et cette année, l'Occitanie est un grand partenaire, un partenaire silver, avec une très jolie délégation de start-up, 34 start-up exposantes sur le pavillon de l'Occitanie et plus de, en tout à VivaTech, plus de 60 start-up. Donc déjà, VivaTech organise un VivaTech Tour et c'est une priorité pour VivaTech d'aller rencontrer les entrepreneurs, rencontrer les écosystèmes d'innovation, mais aussi les accélérateurs qui sont soutenus par les puissances publiques, par les agences économiques. L'Occitanie, comme je le disais, est un grand partenaire. Alors 2022, c'est le grand retour. Je crois qu'on le voit ce matin dans les allées en termes d'innovation, en termes de qualité des stands. Pour vous donner quelques chiffres, plus de 2000 exposants, c'est du jamais vu, 350 speakers, des milliers d'innovations, des milliers de start-up exposantes. Évidemment, en tant que responsable des acteurs publics, je suis très fier et très heureux d'avoir une palette de pays présents qui exposent leurs plus belles start-up, que ce soit l'Égypte et la zone Afrique, qui n'est pas très loin de la zone occitane ici, avec plus de 10 pays. Et j'insiste sur ce point parce que je sais que l'Occitanie est très implantée et crée des grandes collaborations avec le continent africain. Donc c'est tout cet écosystème et cette richesse qu'on propose à VivaTech, donc un véritable engouement à travers évidemment des thématiques très fortes avec la transition énergétique, les NFT, le web, le nouveau web, etc. Les grands enjeux également sur l'inclusivité, la révolution du travail. Je pense que tout le monde pourra découvrir et ressortir de VivaTech avec une meilleure connaissance d'aujourd'hui et de demain en termes d'innovation et de technologie. Nous sommes ici à VivaTech et c'est dans nos valeurs, hein, tout au long de l'année, on porte ça, c'est de promouvoir une innovation, mais au service des citoyens et des citoyennes et de la planète. Et ça, c'est très important et c'est ce qu'on souhaite mettre en avant à VivaTech. Donc oui, VivaTech égale Tech for Good. On essaye de promouvoir ce type de contribution pour la planète et pour la société d'aujourd'hui.